Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 19 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 8 Village. Évidemment, comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir. Régalez-vous. 4K, 60 FPS. Et j'étais retourné au vendeur pour pouvoir save calmement. Donc là, on va tranquillement retourner où nous étions. J'ai même pas vu si le vendeur avait quelque chose de nouveau à me vendre, mais je ne pense pas. Et on va terminer cet étage, parce qu'à mon avis, il y a deux ou trois étages à faire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, ça fait extrêmement plaisir. Et cette fois-ci, la porte est verte et on n'était pas encore passé par là. On pouvait pas encore passer par là. Donc je pense qu'il fallait de mémoire... Oh, attendez. Non, pas encore assez de courant. Il fallait de mémoire... Descendre. Ah, fallait encore descendre d'ailleurs. T'es même pas dans cette salle finalement pour le coup. Hein. On a oublié quelque chose à la fonderie. Ça faudra pas oublier. C'était même pas ici. C'était là. C'était là. Ensuite, on était allé à droite, me semble-t-il. Pas envie de dire n'importe quoi. Et on avait donc un nouveau chemin qui s'offre à nous. Quelque chose qui était plutôt incroyable. C'était là? Non, c'était pas là. Attendez. Oh, incroyable, je sais plus. Non, 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 attendez, c'est terrible. Terrible, ça. Terrible, terrible. Déjà qu'on retrouve le chemin, parce qu'on a beaucoup tourné en rond, mine de rien. Est-ce que c'était pas par hasard ici, là-dedans, là, non? Si on vous escroque à chaque fois, c'est assez terrible. Non. Donc ça, c'est mort. Et là... Ok, on était sorti par là. Bah alors attendez, mais là je suis... Excusez-moi du terme, on commence comme ça, mais le doute m'habite. M'habite, je vous le dis. Attends, de mémoire. Non, de mémoire, c'était bien en bas. Hein. C'était bien en bas parce que je me souviens que le trajet pour aller save et stopper là était relativement long pour le coup. Non, je suis un connard. Je suis un con. En fait, j'étais passé devant, tout simplement. Oh, j'en ai marre d'être aussi con. C'est pas possible. Allez, on va s'y retrouver, vous inquiétez pas. Incroyable. C'était juste la salle à étage, en fait, tout simplement. Voilà, pourquoi chercher. Midi 14h, ça avait ouvert une nouvelle porte. Ah là 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 là. Mais bon, c'est pas grave. Allez, il faut le faire de toute façon, donc on le fait. D'ailleurs, petite porte à droite, c'est pas ouvrable ça. Verrouillé de l'autre côté, ça c'est un classique hein, dans le cinéma. Hop, on était ensuite allé là. Yes. Mais non, mais c'était... Ah bah oui, mais c'était là. Incroyable. Bon, écoutez, là il y a une petite... Je reconnais. Petite porte cachée. Voilà. Pas cachée, on me la fait pas à moi. Ok. Une pièce... mécanique cylindrique. On était obligé de venir ici? C'est un peu une escroquerie, ça, je reconnais. Bon! Ça, c'est fait. Il y a des gens qui sont restés, vous croyez, bloqués. Ouais, c'est sûr. Ok, d'accord. Forcément, bon, en vrai, je pense pas. Quoique. Manivelle. Ah ouais, mais les potes, vous appelez... Oh non, t'es incroyable. Quoi? Attendez, mais vous appelez tout manivelle, en fait. Ça ne veut rien dire. Non, mais c'est pas ça. What? Toi. Ah! Ah non, mais ça, c'est combinable. C'est un trésor que j'ai trouvé là. Ah bah non, mais... Ok, d'accord. D'accord, il manque une pièce. Non, mais en fait, je me suis enflammé. Je me suis totalement enflammé. C'était un trésor, ok, qui se combine de toute évidence à quelque chose... On va aller essayer de trouver. Et c'était cette pièce qui n'avait pas été fouillée. D'accord. Ok. Ça, je prends ça. Bien sûr, messieurs, dames, une mine. Et on referme. Une poudre noire. Très bien. Ok, ici, on a une porte. Une caisse derrière. Ouais. Bon, bah écoutez, on continue. C'est cet escalier. Ça va se refermer derrière, non? Oh là 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 là. Bon, ça, on va le faire au cut. Hein. On va le faire au cut. Ne soyons pas...
soyons pas bêtes. Ok, bon. On a des choses. Combattant mécanique, soldat. Version 1.0. J'ai utilisé le cadavre d'un homme adulte. J'ai retiré le cœur et implanté le cadou. J'ai réussi à stimuler les muscles via des impulsions électriques. Aucune capacité cognitive élevée à cause de la mort cérébrale. N'agit que par instinct de destruction. Combattant mécanique, soldat, version 1.01. J'ai équipé sa boîte crânienne d'un casque de contrôle. Les électrodes confirment que les ondes cérébrales sont stables. Expérience, combat contre des licans, sujet démonté et dévoré en moins de 3 minutes. A des difficultés à détruire et à tuer. Combat E, version 1.10, pardon, de ce même combattant. J'ai remplacé un avant-bras par une perceuse. La puissance n'est pas suffisante pour être efficace. Peut-être qu'il me faut des corps encore vivants. Et version 1.15. J'ai implanté le réacteur Kadou dans le thorax. La puissance a largement augmenté. Expérience, combat contre des licans. 3 licans tués en 1 minute. De bons résultats, mais quelques problèmes avec la solidité du réacteur. Peut arrêter de fonctionner si son réacteur est détruit. Je pense que c'est le soldat qu'on a combattu, hein, vous l'aurez compris. Ok, carte d'usine, ça je prends. C'est le soldat qu'on a combattu sur la chaise. Poudre noire, ça je prends. Jusqu'ici, on est très très bien. Et là, on va avoir un beau trésor, si tout va bien. Ah ah ! Ok, ok, une roue dentée, très bien. Il va falloir mouler. Il va falloir mouler. J'espère que vous êtes prêts. Alors attendez, attendez, attendez. Ça, ça sent pas bon. Comme disait Maître Gim, ça sent la douille. La fonderie est juste là. Très bien. On va... Ah ! Monsieur ? Ok. C'est bon. Oh putain. Il m'a fait tellement peur. Con lui hein. Il avait rien. Rien à offrir. Je m'en doutais. En plus quand on était passé lors du précédent épisode, je me suis dit c'est sûr qu'il va y avoir un bail du style un de eux va se mettre à me démonter la gueule. Bon, ça a pas loupé. J'ai kiffé. Mais ça a pas loupé, c'était tellement évident. Terrible. Qu'est-ce qu'on a là? Pendant que ça fond un max là. On n'a rien pour l'instant. Grande roue dentée. Ok, mais bien sûr. Mais Ethan, tu vas faire un commentaire à chaque fois comme ça. Petit abruti. Ok, on y va. C'était là, c'était à gauche. Et c'était à droite. Est-ce qu'on est bon cette fois? Putain, ce qu'il faut pas faire pour un générateur de secours, je te fais pas dire. Ah! Ok. Ah, va y avoir un bail, hein. Oh, Ethan. Quelle déception. Je pensais qu'on pourrait unir nos forces contre cette salope de Miranda. Je suis vraiment, vraiment déçu. Elle m'a forcé. Avec les mains, Ethan. Elle nous a enfermés dans ce village. C'est beaucoup. Il était fini à être à sa pote. Peux-tu seulement comprendre cette humiliation? Quoi? Le man, il est où là? Contrairement à mes frères et sœurs, tout ce que je veux, c'est me libérer de cette connasse. J'ai donc besoin de puissance. Assez de... Ok... Puissance pour pouvoir l'anéantir. Ok... Tout ceci est le fruit de ma puissance. Ok. Les forts écrasent les faibles. Oh, j'oublie à chaque fois que ça explose, c'est terrible. Tu n'aurais jamais dû me dire non, Ethan.
Quel taré! Ok, ok, ok. On est bon là? Je suis pas bien. Hein. Terrible. Hein. Quelque chose. Attends. S'il y a un bas ici, c'est pour voir au moins ce qui m'attend, non? À part une caisse de mort là. Attends. Y'a pas un truc à tirer d'ici? Oh, petit coquin. Petit coquin. Ok. J'ai peur. Ah ouais, on peut plus rien faire là. Là, on peut plus rien faire à part tourner en rond. Bon. Ok. C'est la merde. C'est la merde. Ok. Très très bon ça. Bon, ça va, c'était attendu. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça je pense qu'il faut que je le garde, ça peut être très bon pour moi. Je peux m'en servir. Bon, ici on peut tourner en boucle, en rond. Donc on va beaucoup utiliser cet endroit là. Ok, on a rien. Et sur les hauteurs, forcément un bail. Attendez. Le doute. Voilà. Ama, c'est fait. Serge, qu'on apprécie. Grenade avanglante. Ça, c'est très bon, ça. Ça, on est bon. En vrai, je peux aller sur l'explosif, ça ne sert à rien. Ok. Là, on a toujours notre réacteur. On est bon, là? On est bon. Il y a quelque chose à récupérer ici, encore. Hein. Sûrement. Sûrement une... Wouh! Voilà. Ah, bah c'est pas tout. Je m'attendais. Ah, c'est pas fini. Oh là là. Non, frérot. Non. Oh là là. Vas-y, c'est trop là. Oh les gars. Combien de balles de snipe, mon ref? Putain! Non, là, je suis désolé, c'est trop! Oh merde. Elle faut le tour. Oh là là, et ça me gonfle, ça me gonfle. Forcément, quelque chose à récupérer ici. Couteau. Ah bah voilà, c'est là. Grenade explosive, par contre, ce serait très bien ça. Là, on n'a plus rien, c'est bon. On n'a plus rien, allez. Couteau. Ils auraient dû mettre une nouvelle touche pour le couteau. Ok. Ça s'arrête jamais ou quoi, les refs? Oh là là là. Ça s'arrête jamais, c'est terrible. C'était sûr. Allez, venez. Bon. Désolé. C'est bon, ça s'est chargé. J'en ai utilisé combien des mines? Deux? Une? Une, je crois. Allez. Ouais.
Quand il t'incite comme ça à utiliser que des mines, attention, tu sais ce qui t'attend. Hein. Enfin non, justement, tu sais pas, mais... T'as une petite idée que ça va swinguer, quoi, tu vois. Ok. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Bougez pas, on va en voir la fin de cette connerie. Ah, là, il y a une grille. Ça veut dire qu'il va y avoir un homme perceuse. Hein. Julien Le Perse, qu'on apprécie. On embrasse, évidemment, il nous regarde. Très fan des vidéos Resident Evil. Un grand homme. Un grand homme parmi les grands. Qu'est-ce que c'est? Mais je vais où là? Je vais en enfer ou quoi les gars? Ah! Voilà. Classique. Oh putain, j'ai pas prévu ça. Le con. Le con! C'est un double perceuse. C'est un double rotor ça les gars. Oh j'ai vu le trésor, j'ai vu le trésor. Bien sûr que j'ai vu le trésor. Vous l'avez vu ou pas? Est-ce que vous l'avez vu? Regardez, là. Il est plus là. Vous l'aviez vu ou pas celui-ci? Alors, GG ou pas? Bien sûr GG. Pipez-moi un petit peu s'il vous plaît en commentaire. Faites genre, oh waouh, tu as quand même une vue incroyable. Rarement vu quelqu'un avec une vue aussi aussi développée et dotée d'intelligence. Je n'en fais jamais trop. Ok. Eh ben on est bon. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Putain, tout ça pour un bouton quoi. Oh les refs. On est où là? Y'a quoi là-dedans? Je sais plus. Tout ça pour ça, quoi. Non, mais sérieusement! Sérieusement, c'est trop! Bonsoir. C'est nouveau, ça vient de sortir, ça. Je connaissais pas cet endroit-là. Ok. Alors, à chaque fois que je mets le menu, c'est pour voir s'il reste des trucs à fouiller, ça veut dire dans la zone. Il reste toujours des trucs dans ce couloir. Voilà sur les filles. C'est petit ça, dit de voir ici, non? Pas plus de problèmes que ça. Faudra juste le refaire sûrement 5 ou 6 fois d'affilée. Et ça s'arrête jamais hein. Ces portes là. Ah, quoi encore? C'est pas vrai. Je suis mort. Non, il peut pas. Il peut pas. Alors, on est faible. C'est encore Ventiloman. J'ai même pas regardé. Hein. Oh, bon, non, bah, les... hey, ça, on regarde pas. Tu sais, tu vas pas prendre ton temps, tu vas pas te dire « Attends, qu'est-ce que c'est? Ça va, gros? Tout va bien? Non, t'as l'air bizarre? Bon, voilà, tu y vas. » Oh, quelle merde. Oh, quelle merde. Oh ouais, putain, juste pour être ici en plus, oh là là. L'angoisse, l'angoisse. Pourquoi j'ai fait tout ça, moi? Ah ouais, d'accord, c'est pour réactiver les étages. Mmh. Pire angoissant cette fois. Ah ouais, non. Non, c'est très angoissant ça. Donc il y a cet étage, mais c'est pas fini cet étage. Il me semble qu'il y avait des trucs qu'on n'avait pas encore déverrouillés. Attends. Non, non.
Les gars, il y a beaucoup trop de choses là dans ce jeu vidéo. Ça va pas du tout. Et je crois qu'il y a aussi l'ascenseur. Incroyable. Ça va mon ref? Ah non, c'est lui qui me follow, je crois. Parce que là, on peut plus aller à droite. Ok. Joue pas avec le feu, tu vas te brûler. Hein. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Bon, bah écoutez, on a quoi exactement? On a ramassé quoi? J'ai de nouveaux articles pour vous, monsieur Walters. Ah ouais? Objet de valeur. Objet de grande valeur, 2. Objet de valeur, donc ça, c'est bon. Objet de valeur, 2. Et le reste... On est très très bien déjà, non? Ah, j'avais oublié ce petit ange, il est tellement bien, tellement mignon. J'avais oublié ce petit plat, il est tellement bien, il est tellement mignon. Ah, mais il y a des trucs qu'on oublie. Ok. Splendide! Connaissez-vous sa valeur? Ok. Je peux modifier toutes sortes d'armes 000. Les yeux fermés. Et je le fais pour une somme modique. Ah ouais... Augmente la capacité. Il y avait pas une... Il y avait la péteuse, là. Un puissant pistolet mitrailleur entièrement automatique. Alors, arme de poing. Ouais. Bougez pas. Arme de poing, et c'est considéré comme une arme de poing. Donc ça remplace le pistolet. Et... Par conséquent, bougez pas. Hein. Parce que là, ça peut être très intéressant ce qui va se passer. Augmente la cadence de tir, d'accord. Et ça, c'est pourquoi une crosse. Élément pour arme de poing réduit grandement le recul. Vous manquez de place. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui. Lui revendre. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça on va lui revendre une arme. Deux armes. On va lui revendre ça. On sera très bien. On va lui revendre ça. Pas envie de dire, mais... Ouais, j'ai le SIG. On est très bien, là, non? Vous en pensez quoi? Pas d'inquiétude, vous pourrez toujours me racheter ça. Ok. On est très très bien. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça... Voilà. Voilà. J'espère que ceci... Voilà. On est très bien. On est très très bien. Oh! Ne faites pas attention à moi. J'ai pas vu. Félicitations. Voilà. Avec ça, on ne plus jamais à côté de rien. Et dans ces cas-là, on a fini. Regardez! À la prochaine fois. Merci mon frérot. Ça fait plaisir à la revoyure, comme on dit. Hop. Voilà. Ça c'est du collector. Ça, on le garde. C'est le petit soin de l'amour. Hop. Et là, on a un pont. On a tout. On a... Oh, attendez. Le doute. Ma bite. Non, c'est bon. Équipé. Donc ça, c'est mon nouveau pistolet. Hein. Dites-vous que... Ça peut swinger, hein, à tout moment. On est très très bon. Eh ben écoute, écoutez, on va même pouvoir... Attends. On était en B4, maintenant on est en B3, on va pouvoir aller en B1. Par contre, j'avais oublié quelque chose. Derrière. On peut plus reculer, hein, on est d'accord. Hein. Faudrait refaire tout le tour. Faudrait refaire tout le tour. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Non, on peut plus. Ah, chiant. Chiant, et je crois que aller en B1 maintenant, on peut pas. J'ai oublié un gros trésor derrière, me semble-t-il. Est-ce qu'on essaye? Je sais pas. On va essayer. On va avancer un petit peu et puis on va pouvoir... Hop, se laisser là, je pense. Il ronfle encore là, le frérot. Je me sens un petit peu plus serein avec cette arme dans les mains, tu vois ce que je veux dire? Même si mon pistolet était trop stylé. Il y a encore du chemin. Sans déconner, Ethan! Ethan, toujours le bon mot, la douce parole, l'amour. En tout cas, stylé. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit très rapidement à la fin du jeu. Qu'Heisenberg soit
Bah, je m'attendais quand on était dans le repère d'Heisenberg, d'ailleurs, qu'on les tue, en fait, tout simplement. Mais que nenni. Attends. Ok, il y a des choses ici, hein. Il y a des choses insensées, insensibles. Ok. Pour Miranda, nous ne sommes que des enfants. Oh, c'est pas qu'elle nous aime. Ça, non. Elle a perdu son humanité depuis longtemps. Je dois l'anéantir. Tu vas arrêter de me saouler avec tes histoires de famille ? Ok, d'accord, j'ai compris. Pas une très très grosse cadence. Il y a de la bombe tuyau là. Là, il y a du tuyau. J'ai un viseur maintenant, incroyable. Bon, on peut pas regarder dedans, mais enfin. Ok. Oh, quel enfer. Ça, c'est très angoissant. Oh, ça, c'est très angoissant. Alors, attends. Attends, parce que j'ai une petite surprise pour vous. Vous m'avez donné des bombes tuyaux, c'est fait pour être utilisé. Hop, allez, régalez-vous. C'est bon, on est bon, héros. Et là, je suis solide, ça me plaît. Non, faut pas abuser là. Quand même, j'ai des limites. Ok, ils étaient trois. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Un crochet, ça, c'est très sympa, ça. Merci, les potes. Très cool. Très funky, ça me plaît. Allez! Quelqu'un là-dedans? Alors, vu que ça sent pas bon et qu'il reste, entre guillemets, peu de temps de record, je vais être très honnête avec vous, je préfère chercher un petit trésor. Je préfère chercher le trésor qu'il y a ici. Ici, il y a quelque chose. On est passé à côté. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir aller en hauteur un de ces quatre? Là. Let's go. Ah, c'est pas terminé. On va faire tout le tour du bordel, là. Non. Pas l'impression qu'on puisse aller en haut, hein. Enfin, il y a une plateforme, mais... Je pense qu'il faut plus focus... Attendez... J'essaye d'avoir l'angle plus grand. Je pense qu'il faut focus plus le tunnel. J'essaye de regarder partout, c'est terrible. Aidez-moi, dites-moi si je l'ai loupé. Voir, on commence à avoir des trucs assez sales, hein. Là, y'a rien. Là, y'a rien, même si j'entends des trucs, ça n'a pas l'air... Ça me rappelle un peu les mines chez les Bakers. Ils avaient des mines aussi. Ah, que de souvenirs. Écoutez, y'a rien. On va s'arrêter là, on va save. On est déjà à 30 minutes, n'abusons pas des bonnes choses. Je vous fais en tout cas énormément de bisous. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et évidemment, avec l'épisode 20, incroyable. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.